Qui ne rêve pas de découvrir l'envers du décor, les procédés de fabrication de nos entreprises wallonnes, mais aussi les coulisses d'artisans passionnés. Derrière de nombreuses productions, il y a une foule de petits et grands secrets. Pour les connaître, rien de tel qu'une plongée immersive au cœur du savoir-faire wallon. Geneviève Vastrade est une artiste inspirée par la richesse de la nature qui l'entoure. Son atelier se situe à Goutroux, en province du Hainaut. L'atelier de l'artiste porte le nom de Fond de la Biche et se trouve dans un cadre unique, en pleine verdure, un endroit véritablement hors du temps. Geneviève Vastrade y propose une initiation artistique particulièrement originale, en rapport avec le monde végétal, à travers une série d'ateliers créatifs. Passionnée par toutes les techniques de gravure, elle réalise la gravure de végétaux sur tissu ou sur papier. Et si jadis, on pratiquait cet art sur la pierre au moyen d'acide, aujourd'hui, il est plus courant d'imprimer sur des feuilles d'aluminium en les attaquant avec du Coca-Cola. Pour la petite histoire, saviez-vous que le tatakizome est un art ancestral japonais destiné à teindre des tissus grâce au suc des plantes? Geneviève Vastrade est toute disposée à partager l'un ou l'autre de ses nombreux secrets, comme par exemple le fonctionnement de celle que l'artiste appelle affectueusement sa bêta corne, une vraie presse à bras lithographique du 19e siècle. Visite entreprise pour découvrir le savoir-faire wallon. Organisez votre visite sur visiteentreprise.be en collaboration avec Wallonie Belgique Tourisme.